Il y a 40 ans à peine, personne ne croyait qu'un pôle pétrochimique de cette ampleur pourrait voir le jour dans la wilaya de Skikda. Et pourtant, le projet a bel et bien vu le jour grâce aux différents atouts naturels et humains de la région. Bienvenue dans l'un des plus grands complexes pétrochimiques en Algérie. En effet, et grâce à ses usines, Skikda est devenue dès 1970 une plateforme spécialisée dans le traitement des hydrocarbures à l'est de l'Algérie. D'une superficie dépassant les 1200 hectares, la plateforme englobe plusieurs structures, parmi elles le GLNK. L'usine s'étend sur 92 hectares, elle traite 5,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an, sans parler des produits dérivés. كما تلاحظوا عندنا الغاز يبدا يضخ من محطه حسرمل عن طريق الانبوبين. La tour de contrôle dans laquelle nous sommes est chargée de veiller sur les canalisations qui transportent le gaz de Hassermel à Skikda. Comme vous le voyez, le gaz nous vient de Hassermel à travers ces gazoducs qui passent par Hassid El-Aha, puis la station de Ras El-Mi'at, puis Shaiba, Barika et enfin Ain Jassem. Quant à la capacité de transportation de Hassermel à Skikda, elle est estimée à 20,7 milliards de mètres cubes par an. En effet, une fois ce gaz arrivé à Skikda, l'opération de liquéfaction commence. Un vrai travail de fourmi que ces équipes spécialisées prennent en charge. Chacune a une mission bien précise et complémentaire. Le gaz naturel liquéfié est presque du méthane pur. Les autres composants du gaz naturel sont donc séparés lors de ce traitement. Le dioxyde de carbone doit être extrait au préalable. Il endommagerait les unités de liquéfaction en s'y solidifiant. On le considère généralement comme un déchet. Les hydrocarbures, plus lourds que le méthane, sont récupérés et vendus comme matière première pétrochimique ou comme carburant, gaz de pétrole liquéfié. La plupart des terminaux d'exportation de GNL produisent aussi du GPL, mais aussi de l'hélium qui est un coproduit dont la valeur commerciale est importante. En effet, ce gaz est refroidi à une température d'environ moins 161 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Il prend la forme d'un liquide clair transparent, inodore, non corrosif et non toxique. Il devient donc deux fois plus léger que l'eau. Le refroidissement est effectué par plusieurs pompes à chaleur, utilisant généralement des hydrocarbures ou de l'ammoniac. Le gaz naturel alimentant les trains de liquéfaction, les trois trains de liquéfaction, donc les trois, l'unique 10, la 5P et la 6P, il entre dans la première section de décarbonatation. Donc on élimine le dioxyde de carbone pour éviter le bouchage dans les boîtes froides où la température elle est très basse. Ensuite, il entre dans la deuxième section, c'est la section déshydratation. On élimine aussi l'eau. Le gaz, ensuite, il passe dans la section liquéfaction où on extrait les lourds pour éviter aussi le bouchage. Et il resterait le C1, c'est-à-dire le méthane. C'est la partie prenante, le plus important du GNL. Il est refroidi jusqu'à moins 144 degrés et ensuite à moins 160 degrés. Donc il est stocké dans des bacs de GNL. Ensuite, il est envoyé au méthanier. Non loin d'ici se trouve une usine de plastique. Elle produit différentes variétés de plastique. Sa matière première, c'est le gaz qui provient du complexe GLNK. Nous produisons toutes sortes de plastiques. Le modèle le plus demandé, c'est l'éthylène, un produit que nous exportons à l'étranger. En voici un échantillon. Il est blanc à la base, mais on peut le colorer selon les besoins. Nous produisons également du chlore et de l'eau de Javel, deux produits très demandés sur le marché national. «
Depuis le lancement du premier complexe GNL en 1964, la production algérienne de GNL a dépassé le milliard de mètres cubes. Un résultat réalisé grâce notamment au programme de rénovation de 4 complexes GNL. Ainsi, les productions cumulées depuis 1964 de ces 4 complexes de liquéfaction de GNL, GL1-4Z, GL1K, GL1Z et GL2Z, ont atteint respectivement 83 500 343 mètres cubes, 218 671 511 mètres cubes, 331 505 502 mètres cubes, 366 562 057 mètres cubes de gaz naturel liquéfié. L'année 1964 correspond au lancement de la construction du premier complexe de production de GNL, le GL4Z, dénommé alors la CAMEL, compagnie algérienne du méthane liquéfié. Et dans le but de répondre à une demande de GNL de plus en plus importante, Sonatrach compte consolider sa position dans le bassin méditerranéen et européen, tout en renforçant sa présence sur d'autres marchés internationaux, notamment américains et asiatiques. À cet effet, un programme de développement a été lancé pour la réalisation de 2 grands projets de production GNL. Un mégatrain à Arzeux d'une capacité de 4,7 millions de tonnes par an, un mégatrain à Skikda d'une capacité de production de 4,5 millions de tonnes par an. Ce dernier sera alimenté en gaz naturel à partir du gisement gazier de Hassermel. Le complexe en question, le voici, en plein chantier. Il entrera en production en novembre 2011. Selon les responsables de la compagnie nationale, c'est le plus grand complexe de GNL que l'Algérie va posséder. Ce projet a démarré fin 2007. Une fois mis en service, sa capacité de production dépassera les 4,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Ce complexe est composé de 4 unités. La première servira à liquéfier le gaz naturel, la deuxième pour la filtration, en plus d'une centrale pour la production de l'électricité et enfin des cuves pour le stockage du GNL. La particularité de ce complexe consiste en l'utilisation de techniques modernes, à l'exemple du refroidissement par injection de l'air. Financé par Sonatrach sur ses fonds propres pour 2,88 milliards de dollars, le complexe sera implanté sur ce site, endommagé en janvier 2004 par une explosion qui avait détruit 3 unités sur les 6 que comptait le complexe GL1K. Le projet a pour objectif de mettre à la disposition du groupe Sonatrach un outil de flexibilité pour assurer une meilleure valorisation de ses produits énergétiques et consolider ainsi le rang de l'entreprise nationale sur le marché international. Outre le GNL, cette usine produira annuellement 164 700 tonnes d'éthane, 207 600 tonnes de propane, 171 400 tonnes de butane, 108 700 tonnes de gasoline et 163,1 millions de mètres cubes de gaz enrichi en hélium. On extrait le C2, qui est le méthane. Il est envoyé directement au complexe CP1K pour la production d'éthylène. On extrait aussi le C3 et le C4. Ils sont stockés au niveau de l'unité GPL et ils sont envoyés vers la commercialisation sur le marché intérieur. Nous utilisons aussi le fuel gaz à partir des unités des trains de liquéfaction pour alimenter la nouvelle usine d'hélium pour la production de l'hélium. Et donc la gasoline aussi, on la reçoit de la raffinerie. Du côté utilité, donc on alimente aussi en partie la raffinerie avec de l'eau distillée. Une fois mise en service, l'usine permettra d'augmenter les capacités de production du complexe en matière de GNL. Elle offrira à l'Algérie la possibilité de pénétrer des marchés plus lointains par rapport à l'Europe. Le projet inclut également la réalisation de nouvelles installations de stockage intégrées à l'usine de GNL.
Notre programme de production pour 2010-2015 est estimé à 2,8 millions de tonnes pour les trois complexes, ce qui représente une capacité de production de 75% pour chaque usine. Quant aux revenus que va générer ces productions, ils sont estimés à 102 milliards de dinars, dont 28 milliards de dinars seront réalisés à l'exportation. Selon les analystes, le GNL jouera dans les prochaines années un rôle de plus en plus important dans l'industrie mondiale de l'énergie, car les réserves mondiales de gaz naturel sont abondantes et sa liquéfaction rend possible son transport sur de longues distances par les voies maritimes, donnant naissance à de véritables chaînes d'approvisionnement incluant les puits producteurs, les usines de traitement, les réseaux de gazoducs, les usines de liquéfaction, les terminaux de chargement des méthaniers et les terminaux d'importation et de stockage. Le premier terminal d'exportation commerciale fait ouvert en Algérie à Arzeux en 1964. Il exportait du gaz vers la Grande-Bretagne puis vers la France et les États-Unis. Aujourd'hui, et même si l'Algérie cherche à diversifier ses marchés et à trouver d'autres débouchés pour son gaz, elle considère toujours que son marché naturel reste l'Europe, surtout que la demande européenne de gaz naturel, qui était de 520 milliards de mètres cubes en 2001, va passer à 750 milliards de mètres cubes en 2015. Pour l'Algérie, il existe deux moyens de faire évacuer le gaz vers l'Europe et la Méditerranée, ainsi que vers d'autres marchés potentiels comme celui des États-Unis ou de l'Asie. Les gazoducs par la voie sous-marine et le procédé de liquéfaction avec la construction d'usines de GNL et l'acquisition de méthaniers. Pour cela, l'Algérie dispose d'une grande expérience grâce à sa place de troisième exportateur mondial de gaz naturel et deuxième de GNL. Une expérience obtenue grâce à la construction de deux gazoducs qui relient à l'est l'Algérie à l'Italie en passant par la Tunisie et à l'ouest l'Algérie à l'Espagne en passant par le Maroc. L'Algérie projette d'exporter 85 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de GNL en 2010 et 100 milliards de mètres cubes à l'horizon 2015. Elle compte entre autres sur le GNL 2K de Skikda pour atteindre ses objectifs. Surtout quand on sait que l'industrie mondiale de GNL représentera lors des 10 prochaines années près de 40% des échanges gaziers dans le monde.